bien le bonjour, bien le bonsoir, bien le bonne journée. C'est Poik Poik. Alors aujourd'hui, jour numéro 5, frère. Jour numéro 5. Eh ben, comme d'hab, on se retrouve directement sur la piste. Et je vous laisse profiter. Parce que j'allais dire que je vous laisse profiter du voyage, mais vu que je vais pas filmer pendant le voyage, pour économiser la batterie de la caméra, parce que sinon la batterie de la caméra elle va s'épuiser. Moi j'aurai plus de batterie pour filmer le plateau. Ah, la salive là, elle était en manque, hein. Bon, en tout cas, on se retrouve directement sur le plateau. Je vous fais de gros bisous, à tout de suite. Et. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Hop. Yeah, il a touché le plot. Allez, tac. La petite flaque. Pop. Allez, tac. Bon. Le lent, ça donne du bien. Le moniteur va sortir le chrono. Pop. Ha. De quel côté? Franchement, celui-là. Vas-y. En tout, quelle couleur? Ah, mais elle est couleur noire, mais brillant. C'est un noir brillant. C'est-tu de ouf? Hop. Tac. Non. Non plus. Je glisse. Il s'éclate avec sa petite flaque d'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. 22 secondes. On est en 22-60. On est bien là. Ah ouais, ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On est très bien. Ouais. Ça, c'est propre, pas plus lent, pas plus rapide. Non. Oui, mais l'objectif, c'est au moins de valider un B. Il est là l'objectif. B, c'est quoi? C'est 20? B, c'est soit le temps est pas bon. Ouais. Soit on a posé un pied. Soit t'as posé un pied mais le temps est bon. Ouais, ou le. Soit t'as fait tomber un piqué et tout le reste est bon. Soit t'as fait tomber un plomb et tout le reste est bon. Attention, la ligne là-bas au demi-tour, elle existe à gauche et à droite, mais pas au début. Si tu la franchis, ici on s'en fout. Parce que ici il y en a une, là-bas il n'y en aura pas. Mais là-bas, il y en a une. Si tu la franchis, c'est éliminé direct. Hein. Ouais. C'est bien, reste là-dessus, c'est cool. Yes. Bon. Sans pousser, sans plots tomber, sans pied. Moi, nickel. Et moi, la séance dernière, combien de fois je touchais des plots, ma trajectoire était dégueulasse. Je mettais un pied ou deux, et là, ça va. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que tu vois, genre, par exemple, quand tu vas passer le parcours lent, tu peux pas t'entraîner, quoi. Tu peux pas faire au moins une fois avant de passer ton permis. Le pire, je pense, ça va être les fiches. Ouais. Après, je me dis que si t'as tout A et que tu passes aux fiches et que là t'as tout A et que les fiches tu galères un peu, ouais. Je pense pas qu'ils vont te mettre C, tu vois. Non, je pense pas. Si tu connais ou tu sais un peu de quoi tu parles, et après ils peuvent te mettre B, bénef. Mais il faut avoir tout A, c'est ça le plus compliqué. Bah là, moi aussi, je suis un peu pareil que toi, j'ai tendance à dire vas-y, tu m'as dit bon bah là, monsieur, c'est B. Vous voulez le refaire? Bah ouais, mec, je le refais, je m'en bats les couilles, je le refais là, tu vois. C'est ça. Le pire, moi, ça va être le freinage et l'évitement, mais sous l'appui. Parce que là, c'est ça la même. Surtout l'évitement, le freinage, tu la tiens bien, bénef, mais l'évitement, tuc. Ouais, il suffit que tu penses trop ou que tu as un angle un peu trop chiant et tout, c'est la merde. C'est ça, surtout avec les slaloms, enfin. Edouard, on fait encore du lent ou le rapide? Ouais, restez-y un petit peu, le temps que je bouge l'élève là de la première leçon et après je vais vous libérer la piste. Allez. C'est par là l'évitement, les freinages d'urgence. Ah, j'ai l'eau qui me coule dans le cul.
Waouh, ça a glissé. J'ai senti l'arrière glisser, oh merde. Faut y aller tranquillou. Très tranquillou. C'est chaud hein. Comment ça c'est chaud? Oh j'ai glissé 2-3 fois là-bas là. En démarrant? Eh ouais. En mettant un coup de gaz. Bah je sais pas, j'accélère. On roule sur des œufs là mon pote. Putain. Tranquille, hein. Hop. Ah la pute. Allez. Mais bravo hein. Avec toi derrière t'as pas trop envie. En plus tu m'alourdis la moto là. Ah parce que toi tu fais du drift sous la pluie. Bah ouais c'est encore plus drôle. Bah t'es. Bon moi je m'arrête 2 secondes hein. Vas-y. Comme ça je te vole ta moto puis je fais du drift. Bah franchement. C'est un malade. Ah ça fume un petit peu hein. Oh c'est... Oh le tocard quoi. Oh putain qu'est-ce qu'il me fait là. Ah bah putain. Ah c'est pour gonfler le pneu c'est ça. Bah ouais. Ça sur la vidéo. Méfie-toi. Ouais. Que ce soit sur le slalom comme sur l'évitement. Ouais, le. Avoir tendance à avoir une trajectoire. Le slalom, je vais le. Ouais, voilà, c'est tranquille. Ah ouais, parce que. Tu veux qu'on le fasse à deux? Ah, franchement, oui. Pour le demi-tour là-bas, c'est glissant. Ah ouais, mais là-bas, combien de fois j'ai dépassé la ligne où j'ai mis le pied parce que sinon, je sentais que j'allais tomber quoi. C'est dingue pourtant. Pour le freinage. Ouais. Troisième avancée, c'est toujours pareil. Toujours. Là, j'avais mis un peu de coup de gaz. Ah, c'était chaud. Ok, faut freiner un peu fort quand même. Alors, pas trop fort non plus, parce oui. que sinon il y a déclenchement d'ABS. Et là, c'est la merde. Et pour le coup, moi j'en ai eu deux, hein, des petits déclenchements d'ABS là sur le frein avant. Trois avancées, 6, on commence à aller chercher une inclinaison souple. On place nos yeux. On place nos yeux. On lâche. 1, 2, 1. Patine. Au pire, le pied, mais pas la ligne. Place tes yeux. Ouais. On s'en va. On relâche l'embrayage. On lâche. On ramène. Et seulement la frein. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche à vraiment ralentir la moto seulement une fois que la moto est droite. Je suis placé. Je creuse ma trajectoire. Je lâche. Je couds. Je ramène. Et seulement la frein. D'accord, parce ok. qu'elle est droite. Ok. Si on avait ramené la moto plus droite plus tôt, là oui, freine. Ok. Mais on dès que. On ne cherche pas plus vite que 30-35 à l'aller. On ne cherche pas plus vite que 40-45 non plus. D'accord. Il va en douceur, le but du jeu c'est pas de se faire mal. Ah ben non. On a une piste qui est quand même relativement glissante quand il pleut. Allez, tranquillou. Hop. Oh, quand il pleut, oh c'est la merde, merdheim. Oh, tu m'as compris quoi, c'est. Pouf. J'espère que je l'aurai. Hein. Moi, ce qui me fait chier, c'est les fiches. Mais j'espère que les fiches, je les aurai. Hein. Putain de ces salopes.
Allez, tac, boum, bim, bam, clac, clac, les cale-pieds, clac, le moniteur, clac, on y va. Hop, hop, hop là, hop là, et hop là, hop là. Hey, et tout qui se barre. Yeah, c'est quoi ces motos là? Kawasaki nous ont fait quoi? Ah, c'est pas Kawa, c'est Baxter. Eh ben Baxter, il est pas top hein. Ah merde, il manque celui-là aussi. Eh ouais, il est, tu sais. Ah ben c'est pour ça. Ah non, mais laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça et celui qui est en bas, je le rajouterai. Allez, le dernier est là-bas. Allez, oh, j'ai les couilles trempées gros. Ah oh, putain, avec le casque et tout. En plus ça abîme mes gants. Merci hein. Ah ouais. Allez, 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 hop, 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 hop. Ah c'est con ça, ben regarde nos mains. Hein? Mec, moi je suis là depuis 8h. Hein. Eh ben moi je suis là depuis une 10h. Allez putain, oh, j'ai déjà un trou dans le gant. C'est quoi ce délire? La couture elle a pas tenu, putain je suis deg. Par contre ça accélère pas. Qui sont bien dans leur